Alors, j'aimerais vous parler d'une excellente bande originale de film, Beethoven's Second. Voici ce que ça donne. Hey, Sphinx, qu'est-ce qu'on fait après-midi? On va te voir un film? T'aimes ça aller au cinéma d'habitude, du popcorn pour chat? Hein? Regarde, il y a Beethoven's Second. Oh, j'ai adoré ce film, John Segel, mais ça n'est pas, anyway. Non, je pense que t'as été traumatisé hein, par les chiens. On va laisser faire le cinéma. On regarde la TV un petit peu, OK? On regarde ce qui se passe à la TV. Hein? Voyons. Regarde ça. C'est ce mot du film-là, absolument partout. Ça n'a pas de sens, ça ne t'intéresse pas, hein? Ça te fait chier un petit peu, peut-être, ça? OK. On va changer la litière d'abord. Hein, Sphinx? Hein? C'est un peu plate, on va changer. Bleh, changeons ça, cette litière-là. Oh! Je sais pas s'il y en a dans les Rice Krispies, je trouve toujours des cadeaux. Je sais pas s'il y en a dans la litière. Ouh, il y a quelque chose cette semaine. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça n'a pas de sens. T'as vu ça, Sphinx? Je veux dire, tu sais, on se fait écœurer, ça te tente pas d'aller au cinéma pour aller voir le film. On regarde la TV, c'est rien que ça, on zappe. Puis un cadeau en plus dans ta litière, ils veulent t'écœurer. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Mais quelle brillante, ce Sphinx-là! Bon, je t'aime. Faux petit Sphinx! Traumatisé par Beethoven II, m'a eu montré, moi, maudit disque. Hein, traumatisé ma petite chatte comme ça. Je te vengerai, Sphinx. Je vais te venger. Pour le destroy la semaine prochaine. On verra.